Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les 2 semaines. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolomike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis Skywalker de Fortnite. Alors, le premier défi va vous demander de fouiller des coffres de Star Wars. Alors, pour réaliser ce défi, vous avez 4 possibilités. Soit vous vous rendez en dessous de Grim Gables, donc juste ici sur le gameplay. Soit vous vous rendez à côté de Tilted Tower, donc juste ici. Soit vous vous rendez à Grizzly Grove, juste ici. Ou alors vous vous rendez juste ici, en dessous de Grizzly Grove, encore, donc juste ici. Donc ces 4 bases, ces 4 emplacements que je vous ai montré, ces 4 bases de Star Wars. Et là, regardez, vous avez des coffres de Star Wars. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est de fouiller 10 coffres au total aux emplacements que je vous ai montrés pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le deuxième défi va vous demander de bloquer des tirs avec un sabre laser. Donc pour trouver un sabre laser, il faudra ouvrir des coffres de Star Wars. Donc les coffres de Star Wars se trouvent ici, ici, ici et en dessous de Grim Gables. Vous vous rendez à ces emplacements-là, ensuite vous allez dans la tente et là vous avez un coffre de Star Wars. Vous ouvrez le coffre et là vous obtiendrez un sabre laser. Donc là ce que vous allez devoir faire c'est de bloquer des tirs avec un sabre laser. Donc là ça tombe bien parce qu'il y a des Stormtroopers. Vous tirez sur le Stormtrooper, vous maintenez votre garde en visant avec votre sabre laser et là vous allez tout simplement attendre que le bot vous tire dessus pour bloquer les tirs avec le sabre laser. Dès que vous aurez bloqué 15 tirs avec un sabre laser, ben là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'accomplir un contrat de Stormtrooper. Alors pour réaliser ce défi, vous avez 3 emplacements possibles. Donc vous avez juste ici un emplacement, voilà, à côté de Grizzly Grove. Vous avez un autre emplacement à côté de Tilted Tower. Et vous avez un emplacement en dessous de Grim Gables. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est d'aller près de ces 3 emplacements-là et ensuite parler au Stormtrooper. Donc vous parlez au Stormtrooper et vous acceptez un contrat. Dès que vous allez accepter un contrat, vous allez avoir un adversaire qui va s'afficher dans la zone. Donc là, je vais récupérer le coffre là. Et là, l'adversaire, il est dans la zone jaune qui est affichée sur la map. Donc là, ce que je vais devoir faire, c'est de chercher le skin qui est en haut à gauche, donc c'est le skin Miaouskley. Donc là je vais chercher après l'adversaire, donc hop je vais prendre une arme quand même, hop, et là je vais chercher après l'adversaire. Donc ce que je vais devoir faire maintenant, c'est d'éliminer cet adversaire pour terminer le défi. Dès que vous aurez réussi à éliminer l'adversaire en question du contrat, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc je pense pas que c'est lui, non c'est pas lui. Ok, donc là, regardez, mon adversaire s'est fait tuer par quelqu'un d'autre et ça a complété la quête. Donc, ça a terminé le défi. Donc, même si c'est pas vous qui tuez l'adversaire et que c'est quelqu'un d'autre, ben, ça validera quand même votre défi. Par contre, vous avez 6 minutes au total pour éliminer un adversaire. Donc voilà, dès que vous aurez éliminé l'adversaire du contrat en question, ben, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de participer à l'élimination de Dark Vador. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre juste ici sur le gameplay à Grizzly Grove. Donc voilà, juste ici. Et là, regardez, il y a le personnage Dark Vador. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est de tout simplement l'éliminer. Donc vous devez pas l'éliminer simplement tout seul. Hein. Vous pouvez le faire à plusieurs et voire même tirer. Vous tirez une balle sur Dark Vador, ensuite vous vous en allez. Et si quelqu'un le termine avant vous, eh ben ça validera votre défi parce que vous avez juste à participer à son élimination. Vous ne devez pas forcément l'éliminer. Mais là, regardez, il est quand même assez simple à éliminer. Il faut juste faire un peu attention à ses dégâts. Et là, regardez, hop, j'ai participé à l'élimination de Dark Vador. Donc, dès que vous aurez participé à son élimination, ben vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et pour finir, le dernier défi est un défi à plusieurs étapes, à 5 étapes exactement, qui va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec des armes de Star Wars. Donc, vous allez devoir récupérer des armes de Star Wars et ensuite infliger des dégâts aux adversaires pour compléter les 5 étapes. Dès que vous aurez complété les 5 étapes, ben vous aurez terminé l'entièreté des défis de Skywalker de Fortnite. Et j'espère que cette vidéo ben, vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikoolomike et ciao. Peace!